Août 1913. Le climat de guerre qui règne en Europe décide le président Poincaré à rendre visite au tsar de toutes les Russies afin de resserrer les liens qui unissent les deux pays devant la menace de l'alliance austro-prussienne. Du reste, depuis quelques années, la Russie est à la mode en France. Le célèbre emprunt russe draine les économies des rentiers, tandis que Chaliapine conquiert le public parisien avec Boris Godounov. Alors, en témoignage de son amitié, Nicolas II propose à la capitale française une vaste exposition de l'art populaire russe, dans le but, dit-il, de mieux faire connaître à la nation amie les profondeurs de l'âme slave. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Voulez-vous rappeler à monsieur l'ambassadeur que je suis là, s'il vous plaît? Allô? Oui, ваше превосходительство. Monsieur Fèvre просит его принять. Son Excellence, monsieur l'ambassadeur Alexandre Ephimovich Izvolsky, prie monsieur l'intendant Fèvre de bien vouloir lui faire l'honneur de le rejoindre dans son bureau. Paul! Paul! Réunion chez le patron dans 5 minutes. Brouille-toi. Je suis pas. Messieurs, asseyez-vous, je vous en prie. Ah, une petite minute de retard. Je vous prie, messieurs, de bien vouloir m'excuser. Messieurs, Sa Majesté le Tsar de toutes les Russies nous fait la surprise et l'honneur d'envoyer pour l'exposition d'art russe au Grand Palais un des joyaux les plus précieux du trésor impérial. Une des plus belles couronnes de la dynastie des Romanov. Il s'agit là, en effet, d'une pièce inestimable, tant par sa valeur historique que par sa valeur marchande. S'il lui arrivait le plus petit malheur pendant son séjour en France, n'oubliez pas, en cas de guerre, le rouleau compresseur russe nous serait indispensable. Et qu'attend-on de nous exactement? Ah! Que vous veilliez sur cette couronne comme si c'était le tsar lui-même. Où se trouve-t-elle, cette merveille? Eh bien, pour l'instant, à bord d'un torpilleur de la marine impériale qui doit accoster au Havre le 22, ça, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, après-demain. Et c'est là, messieurs, que vous devez la prendre en charge. Vous trois, vous couvrirez spécialement le transport du Havre à Paris. Et c'est-à-dire que nous avons carte blanche? Ah non, non, pas tout à fait. Vous devez vous mettre d'accord sur place avec le prince Pavel Pavlovitch. Qui c'est celui-là? Volontaire, je m'en prie, pas de gaffe de genre, le prince Pavel Pavlovitch. C'est le propre cousin du tsar. Et il a reçu mission de celui-ci d'accompagner personnellement le bibelot en question. Закрой шкатулку. Слушаюсь. Да? Ваше сиятельство, встречаю Лабака с представителем французской полиции. Он желает представиться вам. По какому поводу? Он хотел бы договориться с вами о мерах предосторожности в связи с переправой короны. Какие меры? Кому это нужно? Не знаю, ваше сиятельство. Ну, хорошо, приведите его.
Есть, ваше сиятельство. Комиссар Валентин. Monseigneur. Monsieur. Son Altesse Sérénissime, le prince Paul Paulch. Très bien, laissez-nous. Entrez, monsieur le commissaire. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Mais je crains de ne pas très bien comprendre le sens de votre démarche. Mes chefs et moi avons tenu à entrer en contact avec vous dès que possible pour assurer la sécurité du précieux fardeau dont vous êtes chargé. Savez-vous, messieurs, qu'un homme susceptible trouverait dans vos propos de quoi se formaliser grandement? Plaît-il? Me croiriez-vous donc incapable de remplir la mission sacrée que m'a confiée mon tsar? C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est pourtant ce que vous dites. Non, nous ne voulons que vous aider, croyez-le bien. Je le crois, monsieur, je le crois. C'est pourquoi je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je ne suis pas susceptible, vous le voyez. Ne craignez-vous pas cependant que de vouloir agir seul... Seul? Igor! Dimitri, celui-là! Voici les deux meilleurs sabreurs de tout mon régiment de Cosaques, messieurs. Fidèles à Dieu, au tsar et à moi-même. Alors? On le voit très bien maintenant. Il est en train de faire marche arrière pour se rapprocher du quai. Les marins sont au garde à vous sur le pont. Ce doit être le prince qui apparaît à présent. Comment est-il? L'air plutôt martial. Bel homme avec de gros favoris. Il porte un uniforme vert. Il a l'air très satisfait de lui-même, en tout cas. Alors, pas de doute. C'est bien Pavel Pavlovitch. Mais vous le connaissez? J'ai passé une année entière en Russie à Tsarskoye Selo, à la cour du tsar. Et que faisiez-vous là-bas? Des miracles, comme partout. Les Russes seraient-ils donc aussi crédules que les Français? Plus, ma chère. Plus. C'est la tsarine elle-même qui m'avait fait demander. La tsarine, que voulait-elle? Un fils. Elle n'avait que des filles. Et vous lui en avez fait un? Pour moi, le tsar. Malheureusement, il est né 2 ans après qu'on m'ait eu chassé de la cour sans un copec. Pauvre Philippe. Se faire prendre sa place par Rasputin. Dites-moi plutôt ce qui se passe. C'est grandiose. Les marins viennent de tirer une salve. Ça y est, le bateau est à quai. Le service d'ordre. Beaucoup d'officiers à la redingote sur le quai. Pas mal de flâneurs qui m'ont tout l'air d'inspecteurs en civil. Une grosse limousine semble attendre le prince. Ah. Et voilà du reste qui débarque. Derrière lui marchent 2 gardes du corps. Je crois que ce sont des Cosaques. L'un des deux porte un coffret. La couronne. Hein? Je dis, il devrait plus tarder maintenant. Ouais. Ah bah tiens, les voilà. Tu te prépares? Ouais. Pourquoi il est dur, ça? Et le prince, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, on parle pas de celui-là, hein. T'as la couronne au moins, oui? Ni prince, ni couronne. Quoi, il est pas venu? Si, si, il est venu. Eh bien alors? Alors? Tu comprendras quand tu le rencontreras. Oh! Qu'est-ce qui se passe alors? Il se passe que tous nos projets tombent à l'eau. Le prince Pavel Pavlovitch refuse de collaborer avec nous. C'est une mission sacrée confiée par le tsar lui-même. Dis donc, mais ce n'est pas pour Michel Strogoff, non? Mais attends, il a même refusé la voiture. Pas confiance en automobile. Voilà ce qu'il a dit.
Et il voyage comment alors? Attendez, attendez. Vous allez voir. Venez. Cet équipage dans la cale du torpilleur. Ah, le prince a tout prévu. Hein. Phénomène, hein. Malgré qu'il me l'ait interdit, on va tout de même le suivre. Ce qu'il y a, c'est que s'il a un problème, c'est sur nous que ça finira par retomber. Hein. Ouais. De toute façon, d'un côté comme de l'autre, on risque un incident diplomatique. Alors autant essayer de trouver le juste milieu. Ouais, le cul entre deux chaises, quoi. Allons-y. Allez, on y va. Ну, подожди. Ваше сиятельство, будьте осторожны. Ты прав, хорошенькая женщина всегда опасна. Позвольте нам сперва. Ты кому командуешь, любезный? Оставайтесь здесь оба! La couronne, monseigneur, vite! Oh, délicieux enfant! Si vous venez avec moi, je vous donnerai tous les bijoux de la terre! Je ne plaisante pas, dépêchez-vous! Impossible, ma chère, du sergent mourir, Igor et Dimitri ne le permettraient pas! Настоящая авантюристка редкость. Dommage. J'aurais aimé voir sa petite gueule. Que voulez-vous encore, monsieur le commissaire? Il m'avait semblé entendre une explosion et quelques coups de feu. Oui, 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 c'est exact. Un petit incident mineur. Vous trouverez un ou deux cadavres ici et là. Nous, ici, gagnez, dash. Slouchus. J'apprends jamais. À qui? Au cousin du prince. Et la couronne. J'ai même pas eu le loisir de l'apercevoir. J'ai pourtant entendu exploser une grenade. Mais oui, sur vos gens. Mais que faites-vous? Rassurez-vous, je sais aussi conduire. Une perle, ma fille. Une vraie perle. C'est très inquiétant ce que vous me dites là, mon petit Valentin. Ah. D'autant que ceux qui ont fait le coup vont certainement tenter de recommencer. Mais vous avez identifié les deux cadavres? Oui, au repris de justice, récemment libéré du menu frottin. Mm. Les véritables responsables ont réussi à s'enfuir. Nous avons relevé des traces de pneus. Oui. Et le prince, qu'en dit-il? Plus en plus ravi de ses cosaques. Et plus décidé que jamais à veiller seul sur la couronne. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout, moi. Et où l'a-t-il mise, cette couronne? Oui, il s'est fait louer un château par l'ambassade, là, en banlieue. Ouh, il s'est installé avec ses cosaques. Vous pensez que la couronne est là? Certainement, il ne veut pas s'en séparer jusqu'au jour de l'inauguration. C'est de la folie, mais pure et simple. Enfin, l'exposition n'ouvre que dans 10 jours. Ah, mais il faut que je voie ça avec M. Isvolsky, nous courons à la catastrophe.
Allô, passez-moi l'ambassade russe, je vous prie. Граф Извольский здесь. Приведи графа в салон, я сейчас буду. По имя государя, с этими ключами никогда не расставайтесь. Слушаюсь. Permettez-moi de vous présenter M. Ferre, chef des brigades mobiles. Ah, bonjour. Brigade mobile, qu'est-ce que c'est? C'est un corps tout à fait remarquable de la police. Police? Oh, oui, 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 certainement, certainement. Vas-y, prenez-moi une passe. Il n'est pas question de passeport, monseigneur. M. Ferre n'est pas venu pour ça. Ah, alors de quoi? Monseigneur, votre... La couronne. L'attentat dont vous venez d'être victime pose des problèmes. Oh, Peucadie, asseyez-vous, monsieur. Il y a tout de même deux morts, monseigneur. Je payerai. Il n'est pas question de cela. Eh, oh, alors, vous voulez peut-être me mettre en prison, alors? Monseigneur, je vous supplie de bien vouloir écouter monsieur Fer. Mais certainement, certainement. Da? Графиня Войницына. О, сельщение и Марфай Горовна. Прости. Пау, Пау. Барза Николаевна была enfin. Oui, Марфай Горовна. О, toujours jeune. А, си, 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 toujours jeune. Моя красавица, comment vas-tu, а? Parle-moi de Saint-Pétersbourg. Oh. Comment se porte le tsarevitch? Et cette chère Alexandra? Très bien, ah. Merveilleusement, très grâce. Une petite surprise pour toi. Vassili, n'est-ce pas le chiffon de Marfa Igorovna? Oh. Hein, tu aimes toujours le marzipan, mon petit pigeon. Hein? Tu te souviens bien de mes goûts. Monseigneur, excusez-moi. Oui. Mais, monsieur Fer. Monsieur Fèvre. Ah! Monsieur Fèvre, asseyez-vous, monsieur Fèvre. Si. Asseyez-vous, je vais commander de la vodka et des akouski tout de suite. Je crois qu'il vaut mieux que je revienne une autre fois. Ah, comme vous voudrez, mon cher, comme vous voudrez. Марфа Егоровна, ты знаешь, что в царском селе в этом году растут апельсины? Les deux hommes qui étaient arrivés tout à l'heure viennent de sortir. Maintenant, ils sont en train de monter dans une voiture. Alors, qu'en pensez-vous? La maison me semble difficile d'accès. Attendez. Après les arbres, nous sommes à découvert sur une bonne trentaine de mètres. Oh, d'ailleurs, la police a surveillé les abords. J'aperçus deux ou trois flâneurs aux allures suspectes. Non, ma chère Delphine, ce n'est pas du tout cette solution que j'envisage. Vos talents de rat d'hôtel nous seront, je l'espère, inutiles. Je pense plutôt à cette dame que nous avons vue entrer. Si je ne me trompe, il s'agit de la comtesse Volnitseva. Et alors? Et alors, je l'ai connue en Russie. C'est une de celles qui croyait le plus à mes pouvoirs. Et depuis qu'elle habite Paris, elle est venue me consulter deux ou trois fois. Connaissez-vous l'histoire du cheval de Troie? Voilà ce que M. Isvolsky a pu me procurer. Ça devrait suffire. Voilà. Et puis alors ici, vous avez la nomenclature des pierres avec leurs couleurs, leurs emplacements. Voilà, mon vieux. Parfait. Bon, ben, je vais porter ça tout de suite à l'atelier. Valentin,
Votre idée me paraît tout de même bien dangereuse. Peut-être, mais c'est la seule possible. Подойди, подойди сюда. О, Светлана, и ты тут тоже. Да, я всегда там, где Россия. О чем вы говорили с таким оживлением, с Павлом Павловичем? Оставьте Распутина, Варвара Егоровна. Ох, мон дью, il parlait de Распутин. Qu'en pensez-vous, Philippe? Un charlatan. Et juste, mon ami, un charlatan, c'est ce que je dis. Le mot est celui qui convient. Mais que je te présente mon ami, le docteur Vizier Nachaud. Ah, assieds-toi, docteur, assieds-toi. Un véritable homme miracle. D'ailleurs, tu te souviens peut-être de lui? Il est venu à Tsarskoe Selo il y a quelques années. J'ai vu tant d'hommes miracles défiler à la cour. Oh, tu es injuste, Pavel Pavlovitch. D'ailleurs, tout le monde est injuste avec ce pauvre Philippe. Y compris notre vénéré Alexandra. Et pourtant, je suis sûre que si nous avons un Tsarevitch, c'est grâce à lui. Et quelle est votre méthode, docteur? Le magnétisme hypnotique. Oh, oh, oh! Oh, quelle blague! Tu es un farceur, mon ami! Tiens! Bois un petit verre. Excusez-moi, monseigneur. Je ne bois jamais d'alcool. Ah, tu as raison. Tu as sûrement raison. Et comment pratiquez-vous l'hypnotisme? La technique a peu d'importance. Seul compte les dons magnétiques personnels. Il paraît que le professeur Charcot... Oh, des mots, des mots. Moi, je vais voir de mes yeux. Si tu es capable d'endormir les gens, une démonstration, vite. Une petite démonstration. Monseigneur, il s'agit d'expériences très sérieuses et que je n'improvise pas. Il me faut une préparation psychique. Ouais. Et combien de temps te faut-il pour te préparer psychiquement? Oh, plusieurs heures. Alors je t'attends demain soir. Demain soir, tu m'entends? Vous pouvez compter sur moi. Bon. Musica! Silence! Откройте шкатулку и принесите сюда! Ваше сиятельство, беда! Сюда, я сказал! Слушаюсь, ваше сиятельство. За мной. Mes amis, je vous convie tous demain soir pour assister à une démonstration d'hypnotisme que m'a promise l'éminent professeur que voici. Mais pour ce soir, je vous ai réservé une autre surprise, une primeur. En témoignage de l'affection que vous porte à tous, notre tsar vénéré.
faut vraiment être un spécialiste pour voir qu'il s'agit d'une copie. Bravo, bon travail. Je crois que nous ne pouvions pas faire mieux avec le peu de temps dont nous disposions. Ah, enfin! Eh ben, vous avez mis le temps, mon vieux. C'est pas mal. Ça a pas l'air mal. Voyons ça. Oui, c'est assez ressemblant. Surtout si on ne regarde pas de trop près. Bon, c'est bien, mon ami, passez à mon bureau, je vous verrai tout à l'heure pour le règlement. Merci, monsieur Fell. Valentin, j'ai obtenu ce que vous vouliez. Le prince Pavel Pavlovitch est invité à déjeuner au Quai d'Orsay. Pour midi. Quant aux deux Cosaques, à vous de vous débrouiller, hein. C'est prêt, tu peux y aller, hein. Allô? Allô? Restauration là. Vous êtes prêt? Monsieur Tsapov, à vous de jouer. Алло? Алло? Здесь русское посольство. Советник посольства Цапов. Желал бы говорить с его сиятельством князем Павлом Павловичем. А, его нет. А мы хотели пробудить князя, что два специалиста из Министерства искусства должны явиться к нему для съемок необходимых, для подготовки витрины, где будет выставлена царская корона. Да. Да. Ну да. Как ça va marcher? Посольство. Они хотят прислать сюда фотографа. А кто они? Посольство. Откуда мы знаем, что это посольство? Подожди. Посольство 4627. Алло? 4, 6, 2, 7. Allô, oui, quel numéro demandez-vous? Le 4627. Quittez pas, je vous le passe. Русское посольство. У телефона советник Цапов. Советник посольства Цапов, а это специалисты от съемок. Хорошо. Прошу за мной. Прошу вас. Пожалуйста. Дверь и ключ.
Куда ее поставить? Où faut-il la poser? Sur le coin de la table, là, à l'angle. На стол, на углу. T'as tout ce qu'il te faut, toi? Oui, ça va, moi, je suis prêt. Vous pouvez leur demander de fermer les volets, s'il vous plaît. Они просто вас закрыть шторы, пожалуйста. Je vais te mettre une dose de magnésium, là. De quoi éblouir le soleil. Tu crois que tu auras le temps? Oui, oui, tu t'occupes pas de moi. Tu comptes simplement jusqu'à 3. Attention à 3. 1, 2, 3. Lumière. Открой шторы. Ça a marché? C'est fait. Ouf. Ouais, bonne chose de faite. Bon, vous pouvez la remettre en place. Comment je suis là? C'est pas la même, mais ça fait rien. Regardez pas de trop près, quoi. Voilà. On est avec du feu, hein? Oui. Et nous, on sera plus tranquille. Merci. Merci. Pensez à rien. Videz votre cerveau. Votre respiration est comme une vague qui se soulève et s'abaisse lentement. Régulièrement, concentrez votre esprit sur cette flamme. Il n'y a plus que cette flamme au monde. Elle brûle, elle dévore. Elle ne laisse que le vide au-dedans de vous-même. Levez-vous maintenant. Cette jeune personne est désormais dans un état hypnotique et sa volonté se trouve entièrement soumise à la mienne. Je vais maintenant me livrer à une expérience de suggestion où je lui transmettrai des ordres mentalement. Allez prendre le plateau que cet homme tient entre ses mains. Maintenant, allez ouvrir la porte. Mettez-vous face au couloir. Je vous prie de bien prêter attention à mes gestes. Je vais lui commander mentalement d'aller offrir un verre de vodka à 3 personnes. Ces 3 personnes, je désigne à présent pour vous, et vous pourrez constater qu'elle ne peut pas voir mon geste. Нет, спасибо. Что же ты, Егор, русский военный, не отказываете нам курить? Из рук пресной женщины, пей, приказывай! Значит, солдат. Слышишь, болван? Это дуба, пла! А, вот, тревьян. Ну, пей! Браво! А, браво! C'est bien.
Revenez vous asseoir. Réveillez-vous maintenant. Je le veux. Ah, tu as de la chance, mon ami, que ta partenaire soit une si charmante personne, sans quoi je te ferais jeter dehors par Vassile. Me crois-tu si naïf? Quelle histoire, ce miracle! Je suis capable d'en faire autant. Elle faisait semblant de dormir. Mais oui, vous étiez d'accord tous les deux. Monseigneur, je suis prêt à refaire l'expérience avec une autre personne. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, cette fois, je choisirai quelqu'un qu'on ne pourra ni soupçonner d'être mon complice, ni d'avoir une nature influençable. Et qui donc? Vous, monseigneur, si vous le permettez. Ah, voilà qui est plaisant. Alors, prince Saint-Vladimir, si tu pars rien, alors là, ce sera vraiment un miracle. Fais-nous rire, mon ami, fais-nous rire. Toutes mes excuses, ma belle enfant, mais je crois que j'aurai besoin de cette chaise, n'est-ce pas, docteur? Voilà, merci beaucoup. Non. Allons-y. Je vous prierai d'abord de bien vouloir fixer cette lumière. Détendez-vous. Et ne pensez à rien. Oubliez-vous vous-même. Et laissez-vous aller. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, monseigneur. C'est étrange, je perçois des ondes négatives qui gênent ma concentration. Oui, oui, certainement, certainement. Quelqu'un dans l'assistance doit... Demandez de bien vouloir éloigner ces deux hommes. Les interférences viennent d'eux. Oui, oui, oui. Уходите отсюда. Не знаю, ваше ли нам покинуть залу? Не рассуждать! Вон отсюда! Отправляйтесь в кабинет! С нас долой! Mais toi, si tu rates ton coup, je te ferai fouetter par eux. Pas que je rate mon... Nous verrons. Reprenons. Voulez-vous, monseigneur? Oui, oui. Fixez la lumière. Ne pensez plus à rien. Oui. Oubliez-vous vous-même. Doucement, lentement. Je suis sûr que vous commencez à ressentir au fond de vos yeux le premier appel du sommeil. Inutile de résister. Vous sentez la lente marée du sommeil qui monte irrésistiblement le long de vos membres, qui engourdit votre cerveau. Le moment est venu, vous ne pouvez plus tenir vos paupières ouvertes. Dormez, monseigneur. Rien ne peut plus empêcher votre sommeil. Comme tout à l'heure dans le cas de mademoiselle, nous voici parvenus à la fin du premier stade. Et cette fois, pour que l'expérience soit plus probante encore, je vais passer dans la pièce voisine. Et c'est de là que je transmettrai mentalement mes ordres. Tu sais que ça pourrait être nos clients, ça? Ils vont être déçus, les pauvres, hein? Quelques kilos de pierre, de verre. Qu'est-ce qu'on fait, les arrêter? Ne compliquons pas les choses pour l'instant. On va simplement les suivre pour savoir où ils vont.
Pas maintenant, Delphine. Vous aurez encore l'occasion de l'admirer. Mais mon cher, il va bientôt falloir songer au partage. Rien ne presse. Pour vous peut-être, mais pour moi si. Vous savez très bien que je ne travaille pas par vengeance, mais pour l'argent. Pour l'instant, croyez-moi, le mieux est de se faire oublier, de rester caché ici dans notre coin. Mais enfin, pas du tout. Je pense au contraire qu'il vaudrait mieux essayer de gagner l'étranger le plus vite possible. Ce n'est pas mon avis. Mais enfin, si vous le voulez bien, nous en reparlerons demain matin. Ce soir, je suis fatigué. Si vous voulez. Bonsoir. Bonsoir. Faites de jolis rêves. Mademoiselle, j'ai oublié tout à l'heure quand vous êtes passée. Il y a une lettre pour M. Vigier Lachaud. Eh bien, donnez-la-moi, il dort. Je lui remettrai demain matin. Monsieur, sur votre ordre, 6 juin, un passage sur le Florida en date du 26 courant. Le 26. Mais c'est demain. Vieux chacal, tu me paieras cher. Igor, y'a fait. Allô? Ah, commissaire Valentin. Oui, 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 parfaitement. Non, non, vous ne pouvez plus rien pour moi. Comment vous savez ça? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Retrouvé? Vous l'avez retrouvé? Oh, petit commissaire, je te ferai décoller de l'ordre de Saint-Nicolas. Oui, 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 j'arrive tout de suite. Merci, merci beaucoup, merci. Vas-y, vas-y, Carias, Kujima. Non. Вы позвали ваше сиятельство? Не вас зову, Василия. Видеть вас не хочу, мерзавцы. Чтобы вам пусто было на веки. Pujol, terrasson. Bon, pendant que je vais recevoir le prince, vous allez récupérer la fausse couronne chez l'homme aux béquilles et la faire disparaître. Ouais. Si le prince venait à apprendre notre subterfuge, on n'y couperait pas dans l'incident diplomatique. On y va tous les deux ou on y va plusieurs fois? Non, allez-y tous les deux. Oh. Снотворное, без всякого сомнения. Ты знаешь, эта женщина
Я уверен, что это та самая, которую мы нашли на дороге. Как нам ее найти теперь? И этого хромца. Пойди посмотри. Она здесь, та самая. Что? И что она хочет? Хочет видеть князя. Впустить ее! Павел Павлович. Павел Павлович? Не-не-не, князя нет дома. Mais il faut absolument que je lui parle. Moi, parler au prince. И la couronne. Приходите сегодня после обеда. Князь будет здесь. Ты с ума сошел? Молчи, знаю, что мне делать. В 3 часа после обеда. Вы здесь. В 3 часа после обеда. Вы здесь. 3 heures. 3, да. Moi, ici. Vos, здесь, да. Стойте! Что? Закрой дверь. Мы за ней. Мы следим. Мы через сад. Merci, petit commissaire. Merci, monsieur Père. Messieurs, les autres sont déjà passés par là, comme vous pouvez voir. Attendez, attendez, les autres, quels autres? Qui? Ces satanés cosaques, naturellement. Mon Dieu, il y a longtemps? 10 minutes, peut-être. Il ne manquait plus que ça, hein. Voilà, avec une deuxième couronne sur les bras. Allez, vite, absolument, il faut arriver au château avant eux, sinon c'est la catastrophe. Dites-moi, est-ce que vous avez vu passer deux types en uniforme? Ah oui, oui, deux messieurs, très grands et forts. Ils ont pris un fiacre avec un sac de voyage. Attendez, le fiacre, vous vous souvenez de la couleur? Un fiacre jaune et noir. Il y a le téléphone quelque part dans la maison? Oui, au bureau en bas. Et les deux chevaux dans la cour, qu'est-ce que j'en fais? Des skunks! Tartare! On arrive. La lanterne n'est pas réglementaire. Pas réglementaire, ma lanterne. Eh bien, montrez-moi donc vos papiers. Bien bonne, celle-là. Alors. Place Septimia. Mmh.
Où je la laisse tomber à l'eau. Chicha. Vous pourriez pas nous faire de plus grand plaisir. Это все очень интересно, Игорь. Но, во-первых, выпьем. На здоровье, казаки! Спасибо, ваше сиятельство. Здоровье, ваше сиятельство. Что это? Комиссар Валентин, entrez, entrez, petit commissaire. Un petit verre de водка? Non, non, merci. Alors asseyez-vous, asseyez-vous là, commissaire. Ноги твои, ноги. Dites-moi, commissaire, il me raconte une histoire de couronne à laquelle je ne comprends pas un traître mot. Non, non, c'est rien. Le médecin vient de m'expliquer. C'est un trouble passager dû au double choc de l'accident et du vol de la couronne. Une hallucination, en quelque sorte. Ah! Mais cet attentat, alors, pourquoi? Une affaire politique, monseigneur. Une affaire politique? Les bolcheviques. Ah! Ah, черти полосатые, а? L'exposition d'art populaire russe eut un succès retentissant dans la capitale. Le prince Pavel Pavlovitch rentra fort satisfait de son voyage. Hélas, cela n'empêcha pas, un an plus tard, la mère des illusions. Car le fameux rouleau compresseur russe, sur lequel comptaient tant les alliés, ne devait jamais arriver à Berlin. Les compatriotes de Pavel Pavlovitch devaient se rattraper 30 ans plus tard, mais le prince n'était plus de ce monde.